Ouais, mais comment on peut tout faire? On peut pas, genre, travailler, élever les enfants, vous faire à manger, etc., etc. Dis-moi, je ne sais pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que ici, les femmes, elles travaillent. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous avez bien depuis la fin. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, mets un petit j'aime, ok? Ici, c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être libre, faire au moins tout sur le taux de testostérone et faire de l'oseille, ok? Donc, pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20-40 semaines, c'est gratuit, c'est offert, t'inquiète pas, tu prends aucun risque. Hein, je sais que les gars, il y en a, ils sont le risque pour eux. Là, c'est gratuit, tu prends pas de risque, je vois pas trop ce qui peut se passer. Tu mets ton email, si, évidemment, tu rentres dans ma mailing list, hein, c'est l'idée, mais après, la mailing list, dès que tu reçois un email, tu peux, en bas du email, il y a écrit se désabonner. Tu peux cliquer et hop, voilà. Comme ça, là, tu prends vraiment aucun risque. C'est gratuit, les gars, allez-y, faites-vous plaisir. Des gens qui ont des résultats que tu n'as pas, c'est qu'ils savent des choses que toi, tu ne sais pas. Deuxième chose que je te propose, c'est ma formation Pirate Marketing qui est 100% financée. Okay, c'est la dernière partie qui t'intéresse, 100% financé. Ok, je sais, les gars, qu'aujourd'hui, maintenant, si la formation n'est pas financée, voilà, si on arrive. Les gars, faut pas avoir peur d'investir sur vous, les gars. Hein. Sinon, ça va être compliqué. Hein. Parce que même la formation que je te propose, Pirate Marketing, ok, c'est bien, bah, évidemment, c'est un gros boost, mais il va falloir continuer à te former constamment pour pouvoir évoluer. Et pour ça, les gars, à moins que tu aies un ami millionnaire, ça va être compliqué, les gars, pour avoir les informations gratuitement en tout cas. Donc voilà, en tout cas, tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing qui est 100% financée. Avec toutes les stratégies que je te partage dedans, tu vas pouvoir atteindre au minimum mes 5K par mois. Ok, et évidemment, il va falloir charbonner. Donc tout ça, si jamais tu veux en savoir plus, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Tu pourras même prendre un rendez-vous si tu as des questions, par exemple. Tu pourras prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe pour savoir si jamais tu as du CPF, pour savoir ce qu'il y a dans la formation, etc. Toutes les questions que tu as, on va t'accompagner à mettre le dossier en place et à prendre les accès à Pirate Marketing. Et après, il faudra juste charbonner, les gars. Il n'y a pas de secret, ok, les gars. Et pas d'excuses, j'ai grandi à Évry dans le 91, j'ai redoublé mon BEP, j'ai grandi dans le quartier des Pyramides, ok. Qu'est-ce que tu veux plus? Enfin, arrêtez de chialer, quoi, les gars. Juste passer à l'action. Il faut juste une paire de couronnes. Ce qui se fait rare, tu me l'accorderas. Donc voilà, et passons directement au sujet de la vidéo. Les femmes sont-elles plus féminines dans les autres pays? C'est le sujet de la vidéo. En fait, je lisais en fait un post qui a été fait par un gars qui expliquait qu'en fait, donc c'est un Américain. Parce que aux États-Unis, les gars, si vous vous plaignez qu'il n'y a plus vraiment de femmes féminines en France, mais aux States, les gars, le mouvement, je pense, la base, c'est là, les gars. Parce que vous savez, les Français, dès que les États-Unis font un truc, c'est bien ça. Et après, ça vient chez nous, tu vois. Mais la base, quand même, c'est là-bas. Non, je crois même que c'est au Canada, la base. Vraiment, le QG là, des féministes, je crois que c'est vraiment là-bas. Bref, en tout cas, le gars, il expliquait, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est parti chercher sa femme en Colombie. Donc, il est pas, comme par exemple en Colombie, c'est là où je suis. Il est parti chercher sa femme en Colombie et il expliquait qu'en fait, qu'en gros, les femmes américaines ne pouvaient même pas rentrer en compétition avec les colombiennes parce qu'elles sont beaucoup plus féminines et que genre, aujourd'hui, il est marié avec elles. Je crois même qu'il a ramené aux États-Unis, si jamais je me trompe pas. Il a ramené aux États-Unis, il s'est marié avec elles et il a dit, les gars, n'ayez pas peur de genre, ouais, elle veut te marier juste pour la green card, tout ça, là. Il dit ça, c'est que du bullshit, c'est pas vrai, il n'y a que les simples et bêtas qui vont vous dire ça et les femmes modernes. Qui vont vous dire ça, mais ça déchire aujourd'hui. Moi, genre, elle cuisine pour moi 3 fois par jour, je suis à l'aise, je suis heureux, et ça déchire. Ok? Et donc, du coup, en gros, il encourageait les gars, les gars, vous avez juste à prendre votre passeport et vous ferez un meilleur deal au lieu de dealer avec des meufs qui, genre, quand tu dis de faire un sandwich, elle te dit va commander un Uber, je suis pas ta mère. Tu vois, par exemple. Et donc, du coup, il racontait ça et les meufs, alors il s'est fait défoncer dans les commentaires. Tu vois, et par des gars en plus. J'ai vraiment du mal à comprendre le concept de comment les gars, ils font pour pas voir ça, mais c'est ce qu'on appelle les cibles, je pense, hein, ou les bêtas. Enfin, je comprends ce qu'ils veulent dire, mais il y a des trucs qui ratent, en fait, les gars. En gros, ce qu'ils ont dit, ouais, ils disent, ouais, à mon avis, un gars qui va chercher sa femme dans un autre pays, alors qu'on est je sais pas combien de millions aux États-Unis, c'est ce que pour moi c'est la définition de simp. Ce que j'entends aussi, enfin pas parce que ça veut dire que le gars il est un simp, c'est j'entends le fait que ouais bah il y a tellement de femmes aux États-Unis, comment ça se fait que tu n'en as pas trouvé une? Parce que moi j'ai déjà été aux États-Unis, j'ai rencontré des femmes féminines, j'étais en France, j'ai toujours côtoyé des femmes féminines parce que je sais pas comment les gars font. De toute façon je peux pas dealer avec une meuf masculine. Dès la première conversation, si elle est masculine,
Je me lève, je pars. Je même pas, on perd pas de temps, ça sert à rien. Hein. Mais comme les gars sont dans un mindset de scarcity, scarcity ça veut dire quoi? Ça veut dire genre en gros, genre ils ont pas beaucoup d'options quoi. Donc ils sont là, oh, non, y a que elle. Bon, même si elle est masculine, bon, c'est pas grave, tu vois. Donc du coup, il y a une autre meuf qui a mis un truc, ouais, genre comme si, genre ouais, comment elle a dit ça? Mais genre c'était plus comme genre, toi t'as pas honte, genre tu fais pitié. Je sais plus c'est quoi exactement. Elle n'a pas été aussi directe. J'oublie un peu, mais en gros ça voulait dire ouais genre tu me fais de la peine. T'es obligé d'aller dans un pays pauvre pour pouvoir gérer une meuf, etc., etc. Bon, déjà si on part sur cette base là, est-ce que la meuf elle essaie de dire que genre aux États-Unis les meufs ne veulent pas les gars pour l'argent? En fait toute femme aime l'argent en fait. Que la femme vient d'un autre pays ou pas, toute femme aime que son gars gagne de l'argent en fait. Elle le répète constamment. Surtout aux États-Unis, elles le disent ouvertement. On veut un gars qui fait six figures. Six figures, c'est 100 000 euros à l'année. Donc en fait, toutes les femmes aiment avoir un gars qui fait de l'argent. Donc en fait, je ne comprends pas trop son argument. Et l'avantage, c'est que là, au moins, le gars, ben, il est avec une meuf qui est comme toutes les autres meufs des autres pays, sauf qu'elle lui fait à manger. Voilà. Alors je sais que genre... les gars, ils sont focus sur le truc de faire à manger, etc. C'est pas que moi j'ai fait. Moi j'ai pas fait seulement de, genre un focus, ouais, il faut absolument que ma meuf fasse à manger, etc., etc. Bien que ça fait plaisir, je te dis ça. Hier on m'a fait à manger, ouais, écoute, ça fait quand même plaisir. Je vais pas te mentir, et il n'y a pas besoin d'attendre d'être marié. Hein. Je veux dire, les meufs ici, c'est dans leur. C'est-à-dire, tu peux dater une meuf, la meuf, elle va être contente de te faire à manger. Et je sais que c'est pas juste en Colombie, hein. Ça veut dire que tous les pays, déjà toute l'Amérique latine, tout ce qui est. Thaïlande, etc., là, tous les pays comme ça, même tout ce qui est Russie, la Europe de l'Est. En fait, c'est que aux États-Unis, c'est que tout l'Ouest, en fait. c'est eux qui sont complètement partis en sucette avec le mouvement féministe. Ouais, maintenant, elles ont inversé le truc, genre, en fait, c'est le gars qui doit faire des choses pour garder. Ah, d'accord. Et après, tu comprends pas pourquoi tu t'es pas marié, tu vois. ici, moi, je me rappelle, j'avais parlé avec une meuf, elle m'a dit, ouais, sa mère, elle lui a dit, ouais, bah, il faut que. Apprends ça, machin, fais comme ça pour pouvoir garder ton homme après, tu vois. Donc moi, je peux te dire, j'ai parlé avec plusieurs gars ici. Bon, c'est souvent des gars qui sont des gars qui font de Uber, etc., etc. Ils disent, bah, souvent, gars, pratiquement tout le temps, j'ai jamais rencontré un gars qui m'a dit le contraire. Ils me disent, ouais, leur meuf, ils disent, ouais, ma femme, elle est superbe, jalouse, ça c'est sûr, voilà, mais superbe. Genre, elle lui fait à manger, ça c'est normal. Genre, je veux dire, c'est le truc normal, elle lui fait même ses vêtements. Et genre des fois elle choisit même, il y a un gars qui m'a dit, elle choisit ses vêtements, elle dit les vêtements que tu vas mettre, elle lui prépare les vêtements, lui il se lève, il va taffer, les vêtements ils sont préparés, c'est qu'est-ce qu'il doit mettre, boum boum boum. Parce qu'elle veut que son gars il soit bien machin, etc., etc. Bon, mais t'as pas besoin d'aller jusque là pour moi, mais après si la meuf elle le fait, c'est cool, je vais pas lui dire ah non, c'est trop. Non, c'est jamais trop, tu prends, t'es content. Et donc du coup voilà, après il y a des meufs qui vont mettre en commentaire, ouais non mais vous méritez pas, hein. Ouais, en attendant. Ces femmes-là sont mariées. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Et donc, du coup, et autre point, le gars, quand il dit, ouais, il fait genre, comment ça se fait que tu trouves pas de meuf ici, etc., etc., genre dans ton pays même. Ouais, mais ce qui se passe, c'est qu'on le sait aujourd'hui, c'est de plus en plus dur pour les hommes. Ok. Donc, un gars qui est high value, ok, qui est high value man, ok, je pense maintenant que tu suis ma chaîne, tu comprends ce que ce terme veut dire. C'est high value man, hein, je pense que ça peut s'entendre, je sais pas comment le traduire. Ok, mais tu fais partie du top en fait, quoi, à value man, que ce soit financièrement, ouais, déjà financièrement déjà de base. Ok, donc les femmes elles cherchent des hommes comme ça, ok. Donc, oui, forcément, tous les gars comme ça, ils n'auront pas de problème à avoir une femme féminine. Tu vois, voilà. Mais pour les gars qui sont dans la moyenne, les gars qui sont dans la moyenne, bah attends, c'est la mondialisation, les gars. Enfin, les filles, enfin, je parle, ou le gars même qui disait ça. Les gars, c'est la mondialisation, les gars. Si jamais tu peux avoir avec les mêmes compétences que tu as, les mêmes skills que tu as, tu peux avoir un meilleur deal dans un autre pays, ben faudrait être bête pour pas aller prendre le meilleur deal. Et c'est la mondialisation, les gars. C'est parti comme ça maintenant, avec les réseaux, internet, etc. C'est la mondialisation. T'as un passeport, tu prends un voyage, boum, tu changes de marché du célibat. Et avec les mêmes skills, ben, en changeant, ben, tu peux avoir une femme qui est beaucoup plus. Qui sera féminine déjà de base, parce qu'elles sont toutes féminines dans les pays comme ça. Et voilà, au pire, peut-être que tu vas avoir peut-être le même genre de meuf que tu peux avoir en France ou aux États-Unis, mais au moins elle sera féminine et que ce sera normal pour elle, etc. Parce que des fois, les femmes me disent, ouais, mais comment on peut tout faire? On peut pas, genre, travailler, élever les enfants, vous faire à manger, etc., etc.
Dis-moi, je ne sais pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que ici, les femmes, elles travaillent. Je sais pas d'où vient ce truc de la meuf, elle travaille pas. Après, elle peut ne pas travailler si elle veut, mais en tout cas, moi, les femmes, elles travaillent ici. Il y en a qui travaillent pas, évidemment, mais enfin, les femmes, elles travaillent. Elles ont un travail, ben c'est normal quoi. En fait, il n'y a pas de problème. Elles font le travail, elles s'occupent de la manger pour leur mari, elles s'occupent de leur mari, de leurs enfants. Et elles sont contentes, elles sont heureuses. J'ai jamais vu autant de femmes, même les gens d'ici le disent. Les femmes ici, elles sont toujours allégrées, elles sont toujours contentes, elles sont toujours machin. À Paris, elles font la gueule. Je sais pas, est-ce que le mouvement féministe vraiment, ça fonctionne ou pas alors que, moi, je sais plus quoi. Hein. Donc, du coup, voilà, c'était un petit peu ce que je voulais te partager. Un petit peu le gars s'est fait défoncer alors que bah non, bah mec, sois content. Enfin, je veux dire, voilà, les gars. Parce que j'ai envie de dire au gars, bah, le gars qui met des commentaires, ouais, t'es vraiment un bêta d'aller chercher une femme dans un autre pays, un pays pauvre, en plus pauvre. Enfin, les gars, vous avez des préjugés, c'est un truc de ouf. Enfin, vous venez dans le pays, c'est des gens normaux, hein. Enfin, c'est pas. Je sais pas, il y en a, ils pensent qu'ils vont changer de pays comme ça, ils vont être des demi-dieux quand ils vont arriver. Non, enfin, c'est des gens normaux, les gars. Voilà, ils sont comme toi et moi. Pauvre, ouais, c'est sûr, mais faut que tu voyages. Il y a des gens qui n'ont pas voyagé qui parlent comme ça. Qui disent, ouais, bah, tu vas chercher une pays dans un pays pauvre, c'est des prostituées ou je sais pas quoi, blablabla. C'est des gens qui ne connaissent pas. Donc en tout cas, voilà, en tout cas, oui, c'est sûr, je pense que les femmes sont plus féminines, que ce sera dans les autres pays. Donc forcément, si tu es un gars de la moyenne, forcément, c'est mieux quand même de bouger. Si tu es un gars qui a déjà du statut, tu as déjà une certaine stabilité financière, etc., tu trouveras ton bonheur là où tu es, tu vois. Et c'est pour ça que la première partie du message où le gars dit « Ouais, tu peux trouver une meuf sur place. » Oui, si tu travailles sur toi, tu fais de l'oseille, que tu connais la nature féminine, etc. Nature féminine, c'est important. T'as Zeus en description. Tu trouveras ce qu'il faut sur place. Mais ce que je peux te dire, c'est que moi et même tous les autres amis que j'ai dans les autres, que ce soit dans l'Europe de l'Est, dans tout ce qui est Russie, bon, je pense que c'est pas le moment d'y aller, les gars, en ce moment. Mais tout ce qui est Asie, l'Asie, tout ça, machin, j'ai toujours les mêmes retours. Les femmes, c'est une généralité d'être féminine. C'est normal, tu vois. C'est comme ça, c'est normal pour elles. Ok. À toi de choisir. Mais pour ça, évidemment, il faut être libre géographiquement. Donc c'est pour ça que je t'invite à aller dans la description et prendre déjà au moins l'étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas, c'est gratuit. Et au moins tu vas commencer à faire de l'oseille et tu pourras te déplacer parce que là tu taffes 7 jours sur 7, enfin 5 jours sur 7. Donc oui, c'est compliqué, comment tu fais pour aller en Thaïlande si tu veux y aller et rester sur place, etc. Il faut être libre géographiquement les gars, pour ça il faut faire de l'oseille les gars. Il n'y a pas de secret les gars, ouais, ça reviendra toujours au même. Hein. Ça reviendra toujours même. Et même si jamais tu vas chercher une meuf, parce que ça aussi c'est important de le dire aussi, c'est vrai. Si jamais tu vas chercher une meuf, par exemple, je sais pas, comme le gars en Colombie par exemple. Après les gars, c'est pas aussi facile que ça. Genre tu viens, crois pas que tu vas être à demi-dieu parce que t'as des euros, t'arrives, boum boum, tu prends une meuf, boum boum, et c'est des machins. Non. C'est quand même, il y a du game ici. Hein. Et je veux dire, les combien elles sont connues dans le monde entier. Hein. On sait tous que c'est les plus belles femmes avec les Vénézuéliennes. Hein. Ok, donc du coup, elles sont au courant. Okay, donc crois pas que tu vas arriver et que ça va être easy, tu vois. J'ai vu, je me rappelle, j'ai croisé des Américains, ils galéraient. En même temps, ils étaient là pour une semaine, deux semaines, les meufs, elles sont pas teubées. Hein. Ça aussi, il faut arrêter de croire que les meufs, elles sont teubées dans les autres pays. Hein. Donc voilà, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Ouais, donc du coup, faut faire de l'oseille, les gars. C'est l'idée de la chaîne, en fait. Hein. C'est pouvoir vous permettre, ok, on veut tous faire de l'oseille, on veut tous pouvoir gérer, faire le meilleur deal que l'on peut dans les relations de femmes. Mais pour ça, les gars, en tant qu'homme, les gars, vous devez travailler sur vous. Il n'y a pas le choix. Statut, argent, connaître la nature féminine, en gros, être pile. Surtout connaître la nature féminine, ok. Donc de toute façon, t'as tout en description pour aller plus loin. Donc voilà, c'était mon avis. Évidemment que dans les autres pays, les femmes sont beaucoup plus féminines, même si tu peux en trouver aussi en Europe et dans tout l'Ouest, ok. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien. Un petit j'aime si t'as aimé, un j'aime pas si t'as pas aimé. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Je serai ton camp.